Salut à tous, c'est Ozzy, on se retrouve pour le 9e épisode d'Assassin's Creed 4. Alors, donc, dans le précédent épisode, nous avons exploré en quasiment deux photons, donc en quasi-totalité, Nassau. Alors, je vais juste à récupérer la petite cargaison à l'eau qui contenait du rhum. Oh yeah! Et ensuite, autre chose qu'il me reste à faire, c'est le dernier contrat d'assassinat qu'il y a à Nassau. D'ailleurs, hop, je suis un flemmard, je vais utiliser le déplacement rapide pour aller plus vite. Si un peu de santé baisse, fuyez. Ouais, ou buter tous vos adversaires, c'est aussi une possibilité. Et donc, comme je disais, le contrat d'assassinat. La cage est là. Allez, on va faire le deuxième. Les hors-la-loi. Tuer leur chef pour mettre fin à leur attaque. Alors, où est-il? Où est-il? Il est juste là. Et je vais utiliser le déplacement rapide sur le point d'observation qui est en plein dedans. Et oui. Carrément. Ouais, il est temps de passer à l'action. Ah non, ça c'est pas juste! Vous savez quoi? Je vais voir, recharger, c'est possible? Ah non, on peut pas. Bon! Et ben, comme ça m'ennuie très fortement, cette histoire. Bon, pas repéré. J'avais bien envie de la réussir à 100% quand même. Donc, youhou! Merci. Ok, voilà. Là, comme ça, ils vont me poursuivre. Me perdre de vue. Et ma cible va sûrement s'enfuir. Ok, d'accord. Bon, trouvé quand même. Bon, je me casse donc. Celui-là, franchement, c'est mauvais. Pas avoir réussi ça, c'est très mauvais. Votre cible s'est enfuie, revenez plus tard. Oui, je reviendrai plus tard. Tiens, les danseuses retiennent les mecs. Ah ouais, c'est étonnant. Je reviendrai plus tard parce que là, franchement, je suis dégoûté, je pouvais pas le tuer d'où j'étais, etc. Donc je suis en train de me dire que c'est pas une bonne idée d'arriver dès le point d'observation vu qu'il y a un mec sur le toit. Donc je reviendrai à pied d'un autre point. Tant pis. Bon, ce qui m'embête, c'est que c'était la seule chose qui me restait à faire. Eh bien, tant pis. On va partir pour la mission scénario. On fera ça plus tard, vu que de toute façon, c'est la seule chose que je peux encore faire. Mais c'est pas la seule chose qui me manque à faire à Nassau. Comme je l'ai dit lors du précédent épisode, dans ce fort que je ne peux, où je ne peux sûrement pas entrer, il y a d'autres choses à faire. Alors, prise et butin! Bonjour, Kenway. C'est une jolie petite embarcation que tu as là. Je te sens un peu envieux, Hornigold. T'es jaloux? C'est parce que j'en ai une plus grande que toi? Non, c'est à cause de ce tabac jamaïcain. Je préfère encore l'espagnol. Alors, comme ça, tu t'es trouvé un joli petit brick. C'est bien. Mais je vais devoir t'apprendre à t'en servir. Et à donner l'assaut comme un vrai pirate. Ok. Allez. Satch, on te retrouve au vieux village de pêcheurs. Ouais.
Ça va pour moi. Montre-moi un peu, vu que tu es un de mes mentors. Ouch. Montre-moi comment être un vrai pirate. Parce que pour le moment, je n'en ai que le titre. Où est ton timonier, Kenway? J'aime tenir la barre de mes navires, Ben. Ça tient l'essence en éveil. Allez, il est temps d'avancer, tu crois pas? J'ai pas besoin de tes leçons. On a fait combien de prises ensemble, du temps où on était corsaires? Il y a une sacrée différence entre participer à une attaque et la commander. On cherche des navires marchands, les gars! Des navires alourdis par leur cargaison! Prends cette longue vue et trouve-nous un schooner, Kenway. Te donnera un aperçu de ce que renferment ses cales et de la férocité de son équipage. Sers-toi de ta longue vue, Kenway. Les schooners sont trop petits pour être visibles à l'œil nu. Vous avez entendu? Oui, je vais le faire, mon cher, mais d'abord. Je vous laisse 30 secondes. J'ai un petit coffre à récupérer. Hop. Toc. Et une cargaison. Qui est juste là. Pour quelques ressources. Et voilà. Et encore du rhum. Yeah. Eh oh. Alors. Merci. Je lui dis de lâcher, il lâche pas. C'est dingue, ça. Ouais, c'est toujours un peu les petits problèmes qu'on trouvait dans les Assassin's Creed qui ont encore été totalement reliés à ce niveau-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ouais! La fête. Alors, longue vue. Un schooner avec du rhum et du sucre. Voilà une prise digne de ce nom. Parfait. Rapproche-nous. Une fois que t'as acculé ta prise, tu dois incarner l'autorité et imposer plus de respect que tu t'en accorderais à toi-même. Ça mettra les esprits faibles sous ton emprise. Tes victimes doivent toujours avoir l'impression que tu peux exploser comme un diable et les ouvrir en deux comme des fruits mûrs. Fort, on va essayer de me tirer dessus. Utilise tous les canons. Je suis un peu loin. Et n'hésite pas à y rentrer dedans. Mais pour l'amour de Dieu, ne le coule pas. Empêcher une cargaison est chose pénible. Oh. Ils sont bien trop près, capitaine. Ah oui, abordage. Et voilà, 5 sur 5. Oh, j'ai même pas besoin d'aller sur le pont du navire. Que tengo un buen día, señor. Je suis le capitaine Hornigo, et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos dessins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? Non, mais mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Ah, putain. Fermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à se. Même le gars qui comprend la langue, il demande à répéter. Bien, et que faire du navire? Et ben on va réparer le château. Et j'ai récupéré un membre d'équipe. Encore une demi-douzaine comme celle-là et tu seras tranquille pour un an. Maintenant, on va vendre cette cargaison et récupérer quelques babioles pour ton Jackdaw. Tranquille pour un an? Ce que je veux, c'est être tranquille pour toute la vie.
devenir le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Cesse de rêver, mon gars. Mais non, j'aime rêver. Pas en Angleterre. Tu ne rêves jamais de faire une prise légendaire. Un navire tellement chargé de richesses, tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de coffres de pièces d'or. Mais ils sont aussi rares que les rois honnêtes. Oui, aussi rares que les rois eux-mêmes. Il s'éloigne constamment du bord. Oh, une bouteille! Pouf! Bon, voilà, ça c'est fait. Et un coffre. Il est là. Les coffres. Et cette île m'a l'air assez grande. Ah oui, même très grande. Ah, et là c'est Abaco Island. Mais bon, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment explorer l'île. Quand je vois un peu comment elle est. Ouais. Je vois pas par où on pourrait monter. Allez, je vais regagner le navire. À mon avis, c'est juste d'y avoir autour plusieurs petits endroits où trouver des coffres et ce genre de choses. Allez. Allez, ouais, allez, redonne-moi la place. Capitaine, à la roue. La grande voile au vent. Plus de voiles, toutes les voiles. On va tirer profit de ce vent, je vous le dis. Eh oui, on va tirer profit de ce vent. Ça, c'est clair. Et ouh, loulou. Bien faire ralentir. Pas accrocher la coque. Hey, je suis à Nassau. Non, je peux pas aller à Nassau. D'accord, donc il va falloir que je passe comme ça. Toute la toile, plus vite que ça. Tiens, c'est étonnant. Abaco Island serait devenu une zone interdite. Bon, bah de toute façon, comme j'ai tout exploré sur Abaco Island, c'est pas bien grave. Allez, on prend l'allure de croisière et c'est parti. Parce que tiens, c'est pas la porte à côté, Salt Key. Pauvre nageur, on va aller récupérer rapidos. Voilà, sauvé et demi-tour. Ah, un coffre, je vais prendre le coffre. Attention, grâce. Hop, je veux mon coffre et je l'aurai. Il est là. Hop, et une cargaison en plus. Avec du métal. Bien.
Même chose, encore une fois, c'est une île assez grande, mais on peut pas trop y aller en fait. Donc on y va pas, tout simplement. Hop. Allez, allez. Allez, vitesse de croisière. Ah oui, il n'y a pas, hein. Ça c'est des îles trop vierges, trop abruptes, on peut pas aller dessus. Ça passerait pas. Bon. Nous voguons tranquillement. Le jackpot, j'aimerais bien essayer de changer l'apparence. Normalement, c'est possible. À la fin, on va changer un peu son apparence. Faire un peu plus bateau pirate. Ah, déjà, j'ai qu'un drapeau noir au-dessus. Ça, ça va pas. J'ai pas l'impression qu'il y a écrit Jack Do derrière. Ça aussi, ça va pas. Mais surtout, c'est voilà. Vraiment, sa coque là, trop rouge voyante, je voudrais une teinte plus sombre. Je vais prendre ce petit naufragé. Un homme dans l'eau, capitaine. Oui, j'ai vu. Hop, on va ralentir l'allure pour retourner plus vite. Non. Et maintenant, hop, on peut reprendre la vitesse de croisière. Et voilà, on y est presque. On va enfin arriver à Salt Key. On va réduire la voile et venir gentiment se garer. Mettez en passe. Ouais. Et voilà. Et voilà. Quieres algo? Je veux commercer, amélioration du jack de protection de la coque intermédiaire. Et voilà encore une mission réalisée à 100%. La journée a été bonne. Continuons comme ça et Nassau sera la première ville où les hommes et les femmes pourront vivre comme Dieu l'a voulu. Libres et insouciants. Voilà la recette. Quelques gouttes de sang, de sueur et un bout de tissu. On n'affiche pas nos couleurs ici. On se réjouit de leur absence. Ce drapeau noir ne signale... ton allégeance qu'à une chose, les libertés naturelles de l'homme. Celui-là est à toi. Sois-en fier. Je le serai. Rends-moi le document que je t'ai prêté. Si l'on veut que cette république survive, il nous faudra autant de canons que d'or. Ça veut dire qu'on va attaquer la marine. Seulement celle aux couleurs de Philippe. Pas question d'offusquer notre monarque. Donc seulement les Espagnols. Tu as dû remarquer
que dans ces eaux on trouvait trois fois c'est plus sympa cet endroit là, tout sur pilotis et tout. Aïe, des proies faciles mais qui rapportent peu. Si tu veux faire sortir la marine de sa cachette, je te conseille de te faire remarquer. Attraper des petits poissons pour attirer les gros. T'as tout compris. Alors n'hésite pas à piller tout ton saoul, Capitaine Kenway. Brique. Donc, du métal, du rhum, des boules explosives. Ah, on peut placer des marqueurs, ça c'est pratique. Ah, la longue vue en effet. Très pratique. Allez, on va accélérer un petit peu. Faites-vous entendre! Voilà le genre de raffus que j'aime! Ah, pareil! Tous à la manœuvre! J'espère bien qu'il va pas se laisser faire! Les pièces! Méfie-toi de la marine royale! Ces capitaines n'aiment tout autant tirer qu'éprener! On va essayer ces barils de poudre! Réduisez la voile! On est paré, capitaine! Montez au bon endroit, il va disparaître! C'est là qu'il faut tirer. Feu. Prêt à faire feu. Tirez là, capitaine, juste là. Feu. Touche-le au bon endroit, il va disparaître. Feu. Voilà son point faible, sœur. Petit malin, ils veulent m'éperonner, hein. Et voilà, plus qu'à l'aborder. À l'abordage, les gars! Cognez ferme! Et faites-leur goûter à l'acier anglais! Yaaah! Ah, il m'a vu! Très bien! Hop là! Et... BOUM! Yaaah! Et un navire de prix! Réparer le Jackdaw, 3 membres d'équipage supplémentaires. Ah, c'est bien battu. Bien, sur cet abordage, je vais vous je crois qu'il est temps de graisser quelques pattes pour se laisser. Excellente idée. Mais comment va-t-on se débarrasser de cette notoriété? En payant, mon gars. Un pot de vin versé aux fonctionnaires adéquats, et les militaires fermeront les yeux. Je vois. Je crois que je vais devoir aller rendre visite à ces Samaritains au plus tôt. Tu comprends vite. Il y a un chasseur là-bas. Bon, eh bien, sur cet abordage très réussi, je vais vous dire à la prochaine tout le monde, pour le 10e épisode d'Assassin's Creed, dans lequel je vais commencer par essayer justement de me faire ce chasseur. Je vais essayer de le piller, vu que c'est un des objectifs optionnels de la mission en cours. Allez, salut à tous, et au prochain épisode.